Bonjour, je m'appelle Père Robert, missionnaire de la Salette. Je suis le supérieur de la communauté internationale à la Salette. Aujourd'hui, le 19 septembre 2020, nous célébrons le 174e anniversaire de l'apparition de Notre-Dame de la Salette. En même temps, nous commençons aujourd'hui au sanctuaire à la Salette la célébration de l'année mariale qui nous préparera à vivre le jubilé du 175e anniversaire de l'apparition de la Belle Dame. Le thème pour cette année mariale, Marie, un chemin d'espérance et de la paix entre les cultures. Chers auditeurs de la radio, chers frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais vous proposer une prière préparée spécialement pour cette année mariale. Cette prière commence par une action de grâce qui met en exergue en utilisant le vocatif « Ô Marie, la Vierge Marie » dans sa mission de Mère de la Réconciliation, en communion avec les premiers pèlerins de la Sainte Montagne qui n'ont pas hésité à l'appeler la Réconciliatrice des pécheurs. La deuxième partie nous amène au cœur de la prière elle-même. C'est ici que nous trouvons la vraie raison pour laquelle Marie et la Mère de la Réconciliation, et pourquoi nous continuons à l'appeler Bienheureuse. La troisième partie de la prière est essentiellement une anamnèse. C'est un terme grec qui signifie mémorial, commémoration, souvenir. Avec ces paroles, la communauté célèbre le mémorial du Christ avec sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension vers le ciel. C'est en évoquant ce mystère que l'on peut comprendre mieux le sens de l'apparition de la Vierge Marie à la Salette et de son message. La quatrième partie de cette prière évoque un genre de supplication et d'intercession qui est très courant dans la prière chrétienne. La prière de supplication nous aide à prier non seulement avec la raison, mais aussi avec notre être rempli avec nos sentiments d'angoisse, de peur, surtout en cette période où la pandémie, le chômage, la faim, le manque de perspectives pour l'avenir semblent faire souffrir nos cœurs. Et maintenant cette prière pour l'année mariale. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Marie, Mère de la Réconciliation, en cette année qui t'est consacrée, plein de joie, nous te proclamons bienheureuse. Pour mettre en œuvre son projet providentiel de salut, Dieu le Père t'a choisi pour être sa fille préférée. Quand le Fils de Dieu s'est fait homme pour sauver l'homme, il t'a voulu pour mère et pour disciple. Le Saint-Esprit t'a aimé, il a fait de toi son temple vivant, et t'a comblé de dons uniques. À la Salette, pleurant des larmes et de lumière, tu as montré ton Fils crucifié, tu as parlé la langue des simples, tu as confié ton message à Maximin et à Mélanie, pour qu'il soit transmis à tout ton peuple dans la langue et dans la culture de chacun. Obtiens-nous la grâce de nous accueillir et de nous aimer les uns les autres et de travailler ensemble pour la justice et pour la paix. À toi, ô Mère, réconciliatrice des pécheurs, chemin d'espérance et de paix entre peuple et culture, nous te confions l'humanité tout entière et sa maison commune, ainsi que le Père et les espérances qu'il habite. Parle encore à ton Fils Jésus afin que nous aussi puissions, comme toi, faire ce qu'il nous dira de faire. Amen. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
célébrons l'événement d'un amour infini. Celle qui pleure sur ses enfants intercède pour nous, Notre-Dame de la Salette. Nous avons recours à toi, pleine de grâce. Toi qui écoutes la parole de Dieu, attentive à l'ange du ciel, tu cherches à témoigner un amour sans condition, servante du Seigneur, toujours et à jamais. Célébrons l'événement de l'amour infini, celle qui pleure sur ses enfants. Intercède pour nous, Notre-Dame de la Salette. Nous avons recours à toi, pleine de grâce. Tu n'as pas peur de répondre ton oui, toi la mère du Sauveur. Le Verbe a pris chair de toi, Vierge Marie. Tu chantes à haute voix le Magnificat. Célébrons l'événement de l'amour infini, celle qui pleure sur ses enfants. Intercède pour nous, Notre-Dame de la Salette. Nous avons recours à toi, pleine de grâce. Tu nous invites à nous réconcilier dans ton message à la Salette. Transfiguré par la croix de Jésus-Christ, teneur ou marteau, le choix dans notre vie. Célébrons l'événement de l'amour infini, celle qui pleure sur ses enfants. Intercède pour nous, Notre-Dame de la Salette. Nous avons recours à toi, pleine de grâce. Faites-le passer à travers le monde entier, faites-le passer à tout mon peuple. Message d'espérance, de confiance et de bonté, tes larmes nous engagent pour ta témoigner. Célébrons l'événement de l'amour infini, celle qui pleure sur ses enfants. Intercède pour nous, Notre-Dame de la Salette. Nous avons recours à toi, pleine de grâce. Bonjour, je m'appelle Père Robert, missionnaire de la Salette. Je suis le supérieur de la communauté internationale à la Salette. Aujourd'hui, le 19 septembre 2020, nous célébrons